Je vais réviser avec toi hein, les formations négatives parce que c'est trop important de se rappeler à cause de textes qu'on va parler maintenant. Alors, tout d'abord, nous avons déjà étudié que les formations négatives, quand on n'utilise jamais rien, personne, plus, aucune, aucun, ce n'est pas nécessaire d'utiliser pas. Tu te rappelles de ça? Oui. Très bien. Oui, je me rappelle. Et alors, autre chose qu'on a parlé de aussi déjà, c'est que quand on en comité capacité, gros BD, tu as compris? Fallait rousse, oui. Quoi, pardon. Oui. Si tu commences la phrase avec personne ou rien, les structures sont différentes. Est-ce que tu peux lire le que Petition dit? Personne ne m'aime. Tu sais, personne ne m'aime. Et alors, c'est d'autres structures de la formation négative du français. Mais seulement nous utilisons avec personne et rien. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le panneau? Rien ne se passe comme prévu. La rembinée. Très bien. La rembinée. Est-ce que tu comprends la structure? Eh oui. Très bien. Alors, maintenant, nous avons aussi parlé de randonnée. Répète, s'il te plaît, randonnée. Randonnée. Très bien. Est-ce que tu aimes randonnée? J'aime beaucoup. Très bien. Moi aussi, j'adore. Alors, je vous randonner à Fortaleza un jour. Non. Proche de Fortaleza et à Jericoacoara. C'est Jericoacoara. Non, ce n'est pas Jericoacoara. Chiquichiringa. Chikuribidika, Chiviri. Quel est le nom de la plage proche de Fortaleza? C'est très connu aussi. Proche de Fortaleza? Eh oui, il y a une plage très connue proche de Fortaleza. Ce n'est pas dans Fortaleza. Il y a beaucoup de plages proches de Fortaleza. Non, mais ce n'est pas ça. Mon Dieu. Jacuatirica. Jericoacoara. Jericoacoara. Tout le monde dit que c'est parfait. Mais Jericoacoara, ce n'est pas proche. Non. Non. Quelle est la distance? Je ne sais pas, mais je pense que quand j'ai voyagé avec Miguel, autobus. Nous sommes allés des autobus et nous sommes allés partir de Fortaleza à 18h, je pense. Et nous sommes allés arriver à Jericoacoara 1h du matin. Nossa! C'est distant. C'est vrai? Olha aí quantos quilômetros são, é longe pra caraca. Quoi? Je pensais que c'était, je veux dire, 3h. No mínimo é 5 horas, 6 horas. É porque de ônibus demora mais mesmo, né? Ah, mais, ah, tu veux dire, avec voiture, c'est... Avec voiture, je pense que c'est 5 ou 6 heures. Jiri, nossa, olha só, o analfabeto, né? Jiri, coa, coara. Jiri. Jijoca. Põe Jijoca, que Jiri não vai de carro, tem que ser em Jijoca. Ah, não, c'est très proche, seulement 6 heures. Ah, não, c'est 4 heures. 5 heures. Ah, c'est bon, 5 heures, c'est bon. Il n'y a pas de bus. Tá. Veio de ônibus. Ah, en vélo, c'est parfait. En vélo, c'est 14 heures. En avion. Pourquoi? Como assim, 17 horas, meu velho? Você vai para onde? Você vai para Buenos Aires primeiro? Caraca. Ah, não. Je comprends maintenant. C'est parce que tu... C'est l'avion jusqu'ici et aussi tu dois marcher jusqu'à là-bas.
Ce n'est pas comme ça. Google est fou. Il est début mental. Il n'est pas. Je comprends bien. D'accord. Ah, dis-moi. Mais c'est assim, porque se ingerir, você não entra de cá. Tu rentres en commun. Entra como c'est voiture, mais la voiture, il va seulement à pé. Jusqu'à? Jusqu'à. Il va seulement jusqu'à l'entrée de ville. Le, pardon, le? L'entrée. Ah! Ah, d'accord. Ah, aí você pega ou a jardineira que chama, ou 4x4, porque o outro carro não passa, não vai. Porque você vai até de ônibus até de jogo, ou de jogo você pega o trânsito pra lá, que dá mais uns 20 minutos. Aí os carros não entram na cidade, só entram os buguinhos que fazem os passeios, né? D'accord. Ah oui, d'accord. Mais c'est très bien. C'est très beau. L'œil est très beau. Mais, Nutella, est-ce que c'est cher ou n'est pas cher? Hein? Est-ce que c'est cher? C'est cher. Dépend. Ça dépend du quoi? Ça dépend. Il y a les œufs qui sont chers. Il y a les questions pas chères. Ah, tu veux dire de... Oh, ça va me matar, mais eu preciso te ensinar essa palavra. Putz, que... Oh, se você puder não desistir do francês agora, seria muito bom. Ó. E, B, G, M. Hébergement. E, il y a un acento. Hébergement. C'est cher l'hébergement. Je ne me rappelle pas si c'est caro ou barato. D'accord, oui. Non, vous mentir. Cher, non. Que? Est-ce que lui, querida? Ok. Est-ce que lui, querida, est plus cher? Je peux dire. Okay. Ce n'est pas très cher. Non. Ce n'est pas très cher. Il y a l'œillet que c'est très cher. Ah, ouais. D'accord. Dis-moi, très long. Répète avec moi. L'IE. 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 Qu'est-ce que tu dis? L'œillet. L'IE. Et sauf qu'il t'a fait sa prononce. L'IE. L'IE. Oui. D'accord? D'accord. Très bien. Je comprends bien. Très bien. Nathalie, est-ce que tu te rappelles de rafting? Ah oui, je me rappelle. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Moi jamais. Non plus. Mais est-ce que tu veux faire ça? Tu souhaites faire? Le faire? Non, je ne sais pas. Je pense que si, même. Moi, oui. Born to be wild. Très bien. Tu te rappelles de la différence entre tôt et tard? Ah oui, je me rappelle. Très bien. Alors, Nathalie, tu te rappelles, le dernier mot qu'on a parlé. Refuge. Tu le comprends? Je me rappelle. Oui. Et oui. Ce n'est pas un faux ami du portugais. Refuge, refuge est aussi comme en portugais, un lieu qu'on va, qu'on a peur. On se sent sécure, etc. Alors, Nathalie, nous avons deux verbes et c'est ici qu'on s'est arrêté parce que je te dis que je voudrais parler un peu de ces deux verbes. Nous avons deux verbes, Nathalie, qu'ils ont la même traduction au portugais. Le premier verbe, c'est attendre. Tu te rappelles des attendre? Je me rappelle. Est-ce que tu aimes attendre quelqu'un? Non, je déteste. Très bien. Qui attend plus, toi ou Miguel? Moi. Ah. Bien sûr.
Pourquoi? Tu peux se plaindre de son mari maintenant, de ton mari maintenant, parce que je ne vais pas lui dire. Parce que il est un noivo. Comment tu parles ça? Je vais m'oublier. Je vais m'oublier. Laisse-moi regarder. Marié, sérieux? Laisse-moi regarder. Bride and groom. Je crois pas. Il est une mariée. Il est une mariée. Je ne peux pas croire. Wedding bride. Et il s'est marié, vraiment marié. Tu conformes. Non, c'est conforme. Non, me conforme. Parce que fiancé, oui, t'es un de bonitinho. Mais c'est pas grave. Mais mariée, casada também. Bon, de toute façon, elle est une mariée. Il est une mariée. D'accord. Alors, Natalia, espérez. Ce n'est pas la même chose. C'est un faux ami du portugais. Espérer, ça veut dire avoir espérance. Ah, d'accord. D'accord. Par exemple, j'espère pouvoir voyager l'année prochaine. D'accord? D'accord. Très bien. Et alors, Natalia, dis-moi une chose que tu espères faire. J'espère... habiter au Portugal, au Canada. Très... Demain, si possible. Demain. Très bien, oui, alors. Excellent. Alors, Natalia, on parle des trois différents textes. Il y a un texte grand de Fabio. Tu peux voir. Oui, tu vois. Fabio, c'est là. D'accord. Et il y a deux autres petits messages ici qu'on va travailler après. Alors, c'est un peu difficile de comprendre ce qu'il a écrit à cause de la formation des lettres. Mais si tu as quelques questions, tu me poses. D'accord? D'accord. Très bien. Excellent. Lis, s'il te plaît. Je t'envoie. Au revoir. Parfait. Je t'envoie un petit bonjour de la région où je passe quelques jours avec mes copains Benoît et Pierre. Programme très sportif. Mardi, initiation. Très bien. Initiation à l'escalade pour Pierre et moi. Benoît, qui a les vertiges, n'aime pas beaucoup l'escalade et il n'a pas voulu venir. Pardon, Nathalie, est-ce que tu comprends la vertige? Oui. D'accord. Pardon, le vertige. Oui, excellent. Le vertige. Il a voulu venir et il n'a rien fait. Très bien. Regarde là la formation négative. Hier, randonnée dans le parc national de la Benoise. Très bien. Et ce matin, très bien. Rafting sur la rivière. Belle sensation et rire aussi pour nous trois. Très bien. Rire ou rire? Rire. Oui. D'accord. Demain, randonnée. Pardon. Il tá torrando café, acho que meu olho tá ardendo. É que aqui a gente trabalha na fábrica. Aí tá torrando café, eu nem consigo respirar direito se eu estiver aqui embaixo. Demain, randonnée avec un huit, un refuge à 3000 mètres. Ah, ça c'est vraiment des vacances que j'adore. J'espère que tes parents ne sont pas déjà partis au Japon. Très bien. Japon.
a inglesa do Japão. O Japão. Je l'ai souhaité un très beau voyage. Non. À nouveau. Je l'ai. Je le souhaite. Très bien. Pardon, je le souhaite un très bon voyage. Aiko, n'oubliez pas de prendre tes billets de train. Billets, parfait. Billets de train pour venir me voir en octobre. Pardon, pour? Pour venir. Très bien. Pelo contexto, achei que fosse, mas parece mesmo. D'accord. Venir me voir en octobre. Mm-hmm. Il faut les acheter le plus tôt possible. Uh-huh. C'est moins cher. Excellent. Bon courage à toi qui travaille. Grosse bise et à bientôt, Fabio. Excellent, Nathalie. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu comprends la carte? Je comprends. Très bien. Oui, d'accord. Je vais te poser des questions sur la carte pour que tu me donnes des réponses que tu comprends et me poses les questions que tu ne comprends pas. D'accord? D'accord. Alors, Nathalie, écoute, s'il te plaît. Tout d'abord, qui écrit la carte? Fabio écrit la carte. Très bien. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie à Aiko. Très bien, mais qu'est-ce qu'il a envoyé? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Ah, d'accord, pardon. Il a envoyé un petit bonjour. Très bien. De la région. Excellent. Combien de temps est-ce qu'il passe à cette région? Quelques jours. Très bien. Essaie de faire toute la question. Il passe quelques jours. Très bien. Alors, avec qui? Avec ses copains, Benoît et Pierre. Parfait, parfait. Ses copains, alors, c'est qui? Je ne me rappelle pas. Pardon? Copains. Copain, c'est la même chose des amis, mais aussi on peut utiliser petit copain pour parler des namorados. Petite copine namorada. D'accord? D'accord. Peut-être. Voici, c'est en France, d'accord? Au Québec, peut-être ils ont autre nom. D'accord? Peut-être il dit girlfriend and boyfriend. D'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anglais là-bas. Oui, c'est. D'accord. Alors, Nathalie, comment est-ce que est la programmation? Littéraire, académique? Non, la programmation, c'est très sportif. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait mardi? Ils ont fait un initiation à l'escalade. Très bien. Qui est-ce qui a fait l'initiation à l'escalade? Qui a fait l'initiation à l'escalade? Oui. Fabio et Pierre. Très bien. Mais pourquoi Benoît n'est pas allé faire l'initiation? Parce que Benoît a vertige. Très bien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a le vertige? A le vertige. Pardon, répétez-le. Pas de problème. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a le vertige? Ma mère. Vrai. Ma mère. Tu te rappelles des O? Je ne comprenais pas. D'accord. Un O, c'est l'opposition des bas. Tu te rappelles ou non? Non. Très bien. Je vais te montrer à nouveau.
Tu te rappelles que au passé, nous avons étudié les prépositions de lieu. Par exemple, à côté, à droite, à la gauche. Tu te rappelles de ça? Très bien. Quand nous avons étudié ça, on a parlé des vocabulaires des maisons et il y a eu des prépositions qui, je te dis, Nathalie, elles sont très importantes à se rappeler, mais elles sont difficiles parce que, alors, vous avez devant, derrière, tu te rappelles? Mm-hmm. D'accord. Près, à côté, entre, parmi, tarara, piriri, piriri, porala. Ouh, regarde là. En haut, en bas. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Alors, tu vois, Nathalie, ta mère, elle a le vertige, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle ne peut pas aller à un lieu haut? Non. Elle va. Mais, par exemple, un appartement, tu parles? Mm-hmm. Un appartement. Elle ne va pas juste par la janelle, excuse-moi. Pensez. Tu acabou de mostrar, mas minha cabeça só me diz o window. Minha cabeça não me ajuda. Aujourd'hui, tu es fatigué mentalement. 30 minutes, oui. Lis, s'il te plaît. Le sol. Oui, 39. Les... Ah, d'accord. La fenêtre. Très bien. Tu te rappelles de la fenêtre? Ah oui, je me rappelle. Très bien. Alors, Nathalie, regarde, s'il te plaît. Alors, elle ne peut pas aller à la fenêtre? Non. Ah. Et mais est-ce qu'elle voyage en avion? Non. Oui, elle voyage. Pas de problème. Non, je ne crois pas. Je ne comprends pas. Mais elle ne va pas la fenêtre, dans la fenêtre. Ah, j'adore la fenêtre. Oui, moi aussi. Je suis comme un petit enfant. Je suis terrible. Je pense que les personnes me détestent. Oui, vraiment, vraiment. C'est parce que, je, par exemple, toutes les personnes sont dans l'avion, tu sais, à lire, à rire. Et uh-huh. je suis à la fenêtre comme ça. Tu sais? C'est comme ça à la fenêtre. J'adore voir les choses là-bas. Et les personnes me disent, mais tu n'as pas peur? Je dis, mon Dieu, si ça tombe, on meurt dans une seconde. Ah oui. Oui, paf, pouf, comment, c'est fini. Oui, c'est meilleur que mourir dans 5 ans. Tu sais, il y a des personnes qui ont 19 ans. Non. Caillou, morreu, acabou. Tô no céu, fechou. Ok, d'accord. Tá tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Très bien. Et alors, Nathalie? Eu gosto de janela também, mas eu sou uma pessoa que você imitou aí, que fica de boca aberta de massa. Que tipo de pessoa? Essa que você imitou aí, que fica de boca aberta dormindo. Ah, oui, oui. Oh, mas deixa eu te falar, viu? Meios de transportes têm um poder sobre mim. Eles têm um poder sobre mim também, assim. Eu entro em ônibus, eu tô assim, deixa eu te mostrar isso. Eu entro no ônibus assim, ó. 100% alerta aí, né? Eu chego no busão. Cuidadíssimo. Aí ele ligou o motor. O ônibus vai começar a descer. Gente, esse negócio é bacana assim, ó.
Eu falo assim, você fala assim. Oh, e se eu encosto nessa janela? Quando eu morava em Brasília, eu encostava na janela, assim, ó. Aí essa janela ficava tremendo, ficava batendo a cabeça, assim. Gente, aquilo dá uma massagem. Nossa, que massagem. Não, eu gosto não da janela batendo, não. Nossa, ficava batendo a cabeça, assim, ó. Nossa. Na hora que eu saía do ônibus, eu saía outra pessoa, assim. Nem saía andando, eu saía flutuando. Depois eu vou te mostrar, eu vou procurar esse meme, eu vou pedir para minha cunhada, minha namorada, meu irmão me mandar. Que eu achei a minha cara, porque o Miguel sempre reclama. Sempre a gente viaja de carro, aí ele fala assim: amor, vai conversando comigo. Eu, aham. Eu sou desses também. Horrível, horrível. Eu sou É, péssima, não as pessoas conte falam assim, comigo. ó, eu preciso de um copiloto aqui para conversar comigo para não distrair, para ficar acordado. Não conte comigo. Não conte comigo Não também. conte comigo. A não ser que a pessoa dirija muito rápido. Teve um primeiro que ele fez Uberlândia, Brasília, que geralmente fazem 5 horas, às vezes 6. Ele fez em 3 e meia. Ele tava 160 assim, Natália. Eu não piscava assim, ó. Ela ficava conversando, pois é, né? Futebol, eu. É, pois é, fez gol, eu. Tipo, eu fiquei assim a viagem toda. Aí na hora que a gente chegou em Brasília, eu pisquei. Nossa, misericórdia. Piscou e desmaiou, né? Nossa, o olho geladinho, geladinho, que eu fiquei 5 horas, 3 horas e meia sem piscar. Gente, ele é muito louco. Deus Ele é muito doido, muito doido. Mon Dieu. Alors, retournons à leçon. Retournons à leçon, Natalia. Alors, excellent, Natalia. Tu vois mon écran? Oh oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Ils vont randonner dans le parc national de la Vanoise. Excellent. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, pardon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que maintenant, c'est pluriel. Ah non, c'est passé aussi. Pardon. C'est qu'est-ce passé qu'ils aussi. Ont fait ce matin? Ils ont fait rafting. Très bien. Alors, Natalia, quelle a été la dernière fois que tu es allée à randonnée? Je ne me rappelle pas. Il y a beaucoup de temps. Oui, d'accord. Je randonnais à Itiquira. Est-ce que tu es randonné là-bas? Non. Ah, Natalia, c'est bon. Je ne connais pas. Peut-être Fortaleza, Ceará, c'est meilleur. Mais Itiquira, c'est beau. Non, en novembre, je parle, c'est notre vacances. Ah, why, Miguel? Eh oui, c'est vrai, vous m'avez laissé, n'est-ce pas? Oui. C'est une blague. peut-être nous avons fait randonnée au Guaramiranga. J'adore. Serra, como você diz? Ai, acho que é montanha, mas deixa eu verificar. Montanha, né? Eu pensei que fosse montanha. Também. Não, mas às vezes eu tô errado, às vezes eu tô errado. Deixa eu só ver aqui. Não, é melhor mesmo. Eu não sei falar serra em inglês. Never. A Ridge! Ah, isso mesmo. Eu traduzi errado. Pera Ridge. Lá. É. Nossa, velho. Na montanha. 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 Guaramiranga, você em montanha. Oui, d'accord. Toi, Miguel Equipe. Je ne sais pas, peut-être mon frère. Un minute, s'il vous plaît. D'accord. Hein? Hey, pas. Oh,
Oh, Miguel! Et là, ça arrive. C'est Miguel, là? Oui. Oui. Et là, ça arrive. C'est David qui nous a dit que Peggy est ici. Ah, d'accord, oui. Aí eu dei um abraço neles. Oh, my love. Não, ele tá puto. My darling. D'accord. Nathalie, dis-moi une chose avant de continuer. Pardon. Quand est-ce que ça va commencer vos vacances? 4 de novembre. Putz, vai ser bem... Vai ser bem no iniciozinho, né? Sim, sim. Tá bom, deixa eu só... E vous n'avez pas à voir les sons, n'est-ce pas? Vous n'allez pas à voir les sons. Bom, je pense que sim. Sim! Oui! Nous n'avons pas voyagé. Ah, parfait! Sim, sim! D'accord. Très bien, très bien. Avant de continuer. Ok, d'accord. Non, on peut continuer maintenant. Alors, dis-moi une chose que te fait rire. Beaucoup. Rire beaucoup. Instagram. Em verdade, vos digo. Eu nunca procurei. Peut-être Instagram. Vamos ver. Obrigado, moça, por não ter lido. Elle ne dit pas. Elle ne dit pas. Peut-être Instagram. D'accord? D'accord, Instagram. Instagram. Il y a un Instagram qui s'appelle Sou Eu na Vida. Je pense que tu m'as déjà dit. Je ne me rappelle pas, je pense que non. Tu m'as dit de Fortaleza da Depressão. Não, Fortaleza de nada. Ah, d'accord, d'accord. Fortaleza de nada, c'est très bon aussi. Só podia ser canal cearense. Mas Sou Eu na Vida, ce n'est pas cearense. Não! Não, 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 não. D'accord. Alors, Nathalie, dans le texte, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Demain, ils vont randonner avec l'Inuit. Excellent. Avec Inuit en refuge. Un refuge. D'accord, d'accord. Parce qu'en refuge, ça complète. Mm-hmm. D'accord? D'accord. Excellent. Et alors, les refuges, où est le refuge situé? Le refuge, c'est à 3000 mètres. Très bien. Mais 3, d'accord? Quelque chose. 30. Oui. 30. 3000, non, non, tu parlais. Ah non, pardon, j'ai écouté 30, pardon. Non, 3000 mètres. Excellent. Eu falei, gente, eu tô ruim mesmo, viu? Bora suspender a aula, porque eu falei canto nisso daí, bora suspender a aula agora. D'accord. Et alors, Nathalie, dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'il dit sur ses vacances? Il dit que c'est vraiment les vacances qu'il adore. Très bien. Qu'est-ce qu'il espère? Il espère que les parents de Aiko ne sont pas déjà partis au Japon. Excellent. Et qu'est-ce qu'il leur souhaite? Il les souhaite un très beau voyage. Excellent, excellent. Alors, Nathalie, tu vois qu'ici, on souhaite quelque chose
à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il utilise les COD. D'accord? Oui. D'accord. Alors, il utilise, pardon, COI, le complément objet dit indirect, pas le direct. Mm-hmm. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Fabio dit à Echo de n'oubliez pas? Il dit à Echo, n'oubliez pas de prendre le billet de 30. Pourquoi? Pour venir lui voir en octobre. Ah oui. Pour venir, non, pour aller. Aller. Pour aller. Les voir. Oui, le voir. Très bien. Ce n'est pas lui voir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les acheter le plus tôt possible. Pourquoi? C'est moins cher. Très bien. Alors, Natala, tu vois qu'il dit ici « bon courage ». Oui. Bon courage, c'est différent du portugais. Bon courage, c'est presque la même chose des « et un bonjour » ou « une bonne journée » ou « bonne chance ». Tu te rappelles des « bonnes chances » ? Oui, je me rappelle. D'accord. C'est très courant en France. Si vous déménagez à Portugal et peut-être un jour commencez à travailler à la France, c'est très courant. Au Québec, je pense qu'ils ont autre expression. Par exemple, « good luck ». Oui, j'ai écouté, Natala, qu'au Québec, et c'est courant de dire « what's up ». Il dit, oh, bien sûr qu'il dit aussi, hein, comment ça va? Ça va? Uh-huh. Tu vas bien? Mais c'est aussi aux jeunes personnes dit, what's up? Uh-huh. D'accord? Très bien. Je pense que c'est mignon, le. Au Québec, oui. D'accord, d'accord. Alors, voici ce que Benoît a dit. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? La montagne, c'est beau, mais ça fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue. Oui. Et personne ne me comprend. Ça faut être. Peut-être. Peut-être. Oui. Tu te rappelles de peut-être? Oui, je me rappelle. D'accord. Et quoi plus est-ce qu'il dit? Et personne ne me comprend. Toi, peut-être. Bises Benoît. Bise. Bise Benoît. Très bien. Alors, tu te rappelles de bise, n'est-ce pas? Oui, je me rappelle. Très bien. Alors, Natala, dans les contextes d'amitié entre amis, il y a autre expression qui s'est courant, qui s'est embrassé. D'accord? D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, ce que Pierrot a dit? En fait, Benoît n'aime pas la montagne. On lui a dit l'an été d'arrêter, mais je t'embrasse. Pierrot. Très bien, oui. Mais tu comprends cette expression. On lui a dit d'arrêter, mais je t'embrasse. D'accord? Non, je ne comprenais pas. Oui, c'est parce qu'il n'a pas fini de dire. Tu sais, quand on commence à parler une phrase et on ne la finit pas? Mm-hmm. Oui, c'est la même chose. On lui a dit d'arrêter, mais... Ah, d'accord. Je t'embrasse, Pierrot. D'accord? D'accord. Très bien. Natala, est-ce que tu as quelques questions à poser de ces textes? Non. Très bien. Allons-y. Alors, dis-moi si c'est vrai, faux ou on ne sait pas. Numéro 1, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Fabio est à la montagne avec deux amis. C'est faux. Très bien. Deux.
Benoît adore l'escalade. Non, c'est faux. Ah, pardon, tu as dit que c'est faux, numéro 1. Numéro 1. Oh, oui, d'accord, c'est faux. C'est vrai. Fabio, Benoît et mais... Pierrot. Oui, mais la montagne, Pierrot, Pierrot. En anglais, bien. Benoît. Benoît. Il não foi, eu quero dizer. Ah, não. Você sabe falar estreito, hein? Nem vem que eu não pois vou te dar. Eu sei que eu sei. Il ne va pas. Non. Il n'est pas allé. Très bien, c'est ça. D'accord. Il n'est pas allé. D'accord. Très bien. Alors, mais il n'est pas allé à l'initiation de à l'escalade. Ah, d'accord. 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 Très bien. Alors, numéro 3. Hier, Benoît n'a pas fait la grande randonnée. C'est vrai. Non, je ne sais. Non, il fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est faux ou on ne sait pas. Regarde là. Hier, randonnée de l'impact, mais ça m'a fait Martin Salinger. N'est-ce pas? Excellent, il ne dit pas. 4. Le rafting, c'est pratique sur l'eau. Oui, c'est vrai. C'est très vrai, c'est bien sûr. Oui, d'accord. C'est... Le monde étoile, l'ensemble, on une randonnée. N'est-ce pas? Très bien, on ne sait pas. 6. Le mois soir, une randonnée en montagne. C'est vrai. C'est vrai. Pardon. Numéro 7. Pierre adore ses vacances. Oui, regarde Pierre. N'est-ce pas? Je sais de Fabio. Aïe. Ah oui. Les parents d'Aiko sont partis au Japon. C'est vrai. Regarde là. Non, c'est faux, non? À vrai dire, ne sont pas de Japon. À vrai dire, il dit j'espère. Et alors, on ne sait pas s'ils sont déjà allés. D'accord. Tu vois? D'accord? D'accord. Très bien, Nathalie, très bien, très bien, très bien. Alors, Nathalie, on va parler maintenant des vocabulaires et des expressions d'y conseiller quelqu'un. Tout d'abord, tu te rappelles, Nathalie, que à commencer cette unité, on a parlé des vocabulaires et structures des interdictions. Tu te rappelles? Non, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles, oui ou non? Non. Non, d'accord. Alors, on ne va pas parler de conseiller maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, Miguel, mais... Hein? Okay. Ah, eu vou te mandar uma mensagem que o Miguel acabou de mandar. Oh, meu Jesus. Vocês dois, vous deux n'existe pas. Quem é que tá te mandando mensagem? É no Zoom aqui. Ah, d'accord. Natália, il y a quatre... C'est où, mon Dieu? Il y a quatre situations qu'on exprime la obligation, interdiction, c'est quand on commence à parler il faut, je ne sais pas si c'est ici, il faut,
Tu te rappelles, exprimer obligation et tradition. L'impératif, entrer sans frapper. L'infinitif, ne pas stationner. Ne parler plus haut. Devoir, tu te rappelles de ce verbe? Oui, je me rappelle. Et il faut, tu te rappelles de cette expression? Je me rappelle. Excellent. Natalia, on va s'arrêter ici. Et d'accord. On parle de conseillers la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Excellent. Alors, Natalia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne semaine. Pour toi aussi. Merci, on se voit.